Vous regardez RTL. Ce mercredi, je suis heureux de saluer Laurent Gérard. Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Et bonjour Jade. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Notre débat du jour, pour ou contre le string. Philippe Devilliers, vous avez des commentaires à faire sur le string? Je sais que les zélateurs de ce slip minimaliste prétendent qu'il a été inventé pour résoudre le problème de la marque de la culotte visible sur les pantalons moulants. Quelle hypocrisie! Pourquoi? Que je sache, ça fait longtemps que le string ficelle, le tanga, le micro-kiné, le slip brésilien se cache plus sous les pantalons. Il s'exhibe sur les plages, et pas seulement à Copacabana ou à la Grande Motte. La Grande Motte, bonjour madame. Même le littoral vendéen a succombé à cette mode indécente qui est un insoutenable attentat à la pudeur. Oui, même sur les plages, comme celle des Sables de l'Homme, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, veilleux, hein. De Saint-Jean-de-Mont, même là, j'ai vu de mes yeux vus des mères de famille nombreuses dont l'abricot fendu est à peine dissimulé par une étroite bande de tissu, tandis que leur sif... Leur sif? Oui. Leur sillon interfessier. À peine dissimulé par... un fil imperceptible s'offrait au regard brillant de concupiscence des estivants mâles dont le slip de bain était soudain l'objet du syndrome dit du rouleau de pièces de 5 francs. Mais le pire, c'est que les honnêtes pères de famille sont mis eux aussi au string panthère. Oui. Je peux vous dire que certains week-ends ensoleillés à Bretignolles-sur-Mer, on se serait plus cru sur une couverture du magazine Tétuc sur une plage familiale. Ah, alors, je comprends votre émotion, monsieur Devilliers. Mais comme le string semble ne plus être à la mode, vous avez peut-être des suggestions à faire? Quand j'étais jeune, ma grand-mère me tricotait des slips de bain en laine mohair, comme les pulls d'Anne Sinclair. Ça méritait horriblement les bourses, oui. Mais la décence était sauve. Donc, il faut revenir au slip de bain tricoté main. Oui, mais pour les filles, qu'est-ce que vous envisagez? Au plus du fou, dans les scènes médiévales, les jeunes femmes sur leur robe portent toutes des ceintures de chasteté solidement cadenassées pour leur éviter de se faire lutiner par les figurants en collant moule burn façon tirer la fronde. Sur les plages, je préconise donc le port du string de chasteté en métal ouvragé et solidement verrouillé. Il n'y a que moi qui possède la clé. J'arrête, je sens que j'ai un rouleau de pièces de 5 balles.